Na kraj padnu, gdje se i smutek donijelo i rano utek, gdje ti hvore zimaj zrak, dok čega žir ne staje prak. Už se i moji slabi muži, ne htjel bi kvejbje i kuži, na vjetru jedno, a kad si na vjetno, a bože ne si gubi jako posljednje. Hey, salut tout le monde, c'est Rétio et on reprend l'aventure d'Henri. Et regardez sur qui on vient de tomber, à Ledetsko, le charlatan qui ne veut pas me parler. Certainement parce que je n'ai pas le DLC de Hans Capon, mais il est là. Il s'est enfui et il est à Ledetsko. Ensuite, en attendant la tombée de la nuit, je me suis dit que j'allais partir un peu à la chasse pour récupérer les abats de lièvre. Sauf qu'en fait, je ne peux pas faire cette quête encore puisque je n'ai pas la compétence pour... Pour avoir les abats, il me faut 7 compétences. Le gibier que vous chassez rapporte plus d'abats. Et moi, quand j'avais vu ça, plus d'abats, c'est que je me suis dit, bah, c'est que de base, j'en gagne. Puisque rapporte plus d'abats. Mais en fait, pas du tout. Ça en rapporte tout court. Parce que là, je n'en ai pas. Et le problème, c'est que bah, pour avoir un point, il va falloir que j'atteigne le niveau 13. Bon, je suis bientôt à 11. Il me faudra encore 12, encore 2 niveaux à faire. Bon, ça risque d'être assez long, va falloir que je bute plein de bestioles pour monter ce niveau. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver petit à petit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir ici. Je vais attendre un petit peu jusqu'à la tombée de la nuit. Et je vais aller voir mes compagnons pour qu'on aille se latter la gueule avec le contremaître Thomas. Voilà, on y est. Alors, Fritz, est-ce qu'on peut y aller? C'est bon, là. Tu m'as demandé la tombée de la nuit. On y est. On peut aller se latter maintenant. Bon, je suis là. Au travail. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. On y va pour la baston. Hé, tu viens avec nous? Allez, viens avec nous, c'est bon. Oh putain, attendez, il y a du chemin à faire là, du coup. Ouais, on y est, ça y est. On va se la marave. On va se la donner, bande de trous de balles. Ah, il y a du monde, tant mieux. Plus on est de fous. Pauvre con, tu riras beaucoup moins d'ici une minute. Moi, tu me donnes plus envie de vomir. Allez, assez plaisanté. Je suis pas venu ici pour faire causette. Tant mieux. Parce que t'es un orateur épouvantable. Ouh ! Finissons-en, Dopichi. Ouh ! Laisse-moi le grand con ! Amène-toi ! Qu'est-ce que tu crois faire, mon gars ? Mais j'ai battu Kunesh ! J'ai battu le boss du jeu ! Mon Dieu ! T'as mis les chiens ! Mais... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah ouais ? Ah, j'ai plus d'endurance ! Ah bah attends, il faut que je récupère un peu. Oh putain, j'ai pas réussi à le toucher une seule fois. Allez, viens là. Allez, c'est bon. Allez, martelage de touche. Putain, il est relou, hein. Casse les couilles avec ses esquives, lui. Tiens, mange ça. Mange la main droite dans tes dents. Coup de genou dans le pif. Allez. Ah, hé hey. Arrête d'esquiver. Oh, ça y est, je l'ai eu. Oh, deux. C'est pas fini. Amène-toi. Touche pas mon pote, toi. Oh, là. Ah, bah voilà. Facile. Je les ai explosés. Tu penses que c'est suffisant? On dirait qu'il en a eu assez. Exact. Soit il va arrêter... Soit il va nous faire vivre l'enfer. Bon, vous avez besoin d'autre chose? Non, merci pour ton aide. Pas de quoi, les amis sont faits pour ça. T'as oublié un truc? Ah oui, c'est vrai. Voici ce qu'on est parvenu à économiser, Henri. Pas la peine, voyons, je l'ai fait par amitié. Vous pouvez aller tout dépenser à la taverne. Merci, t'es un véritable ami. Encore une fois, on t'en doit une. Ouais! On va bonne tout journée, picoler hein. À la taverne! Ils sont où les cons là? On peut pas voir le cadavre des autres blaireaux là?
Ils sont en bas là, ils sont en train de se casser. Je peux le choper ou pas là? Je peux te choper toi? Il est où? Il est où l'autre? Je l'ai vu, il est là-bas. Oh non, trou du cul! Ah non, c'est pas lui. Merde! Bon, bah tant pis, bah écoutez. Facile! Facile! Easy! Maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire? Maintenant, Oh, il y a une donneur de quête à la taverne. Voilà, il y en a des choses, dis donc. Bon, bah écoutez, je vais peut-être retourner à Sasso pour... Ah, mais c'est le donneur de quête des vols à la tire, ouais. On va retourner à Sasso, voilà. Et on va faire les petites quêtes de Sgus, là. C'est parti. Et voilà, on y est. Alors, le valet de ferme, on va voir ce qu'il a à nous proposer. C'est dans le qu'un chevalier de votre valeur s'intéresse à moi. Il vous faut quelque chose? En effet. Et vous m'avez l'air d'un type plutôt débrouillard, qui ne rechignerait pas à un petit boulot, disons, pas très honnête. C'est vrai que je suis tellement pété de thunes que je rechigne à aucun boulot. De quoi s'agit-il? Je cherche quelqu'un de doué en vol à la tire. Contre une récompense, bien entendu. Alors vous avez la chance d'être tombé sur moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fauche? Il y a un fermier qui vit dans la cour des artisans. Il s'est fait une fortune à vendre des légumes au monastère. Il fut un temps où j'ai travaillé pour son compte. Mais il a fini par me virer sans même me payer. J'aimerais que vous récupériez les gros chênes qu'il me doit. Ainsi qu'une petite bourse contenant une amulette que l'herboriste lui a donnée. Il est aussi superstitieux qu'une vieille mégère. Alors quand il s'apercevra qu'il l'a égaré, il va piquer une crise. Ça me paraît plutôt facile. Pas tant que ça, sinon je le ferai moi-même. Cette andouille ne fait confiance à personne et surveille constamment ses arrières. Si vous réussissez à lui piquer sa bourse et son argent, vous pouvez garder les gros chênes pour vous. À la prochaine. Eh ben, allons-y. Allons pickpocketer le paysan qui vend des légumes. Ah! J'ai trouvé le Gus. Alors, on va y aller en totale furtivité. En plus, il est assis. Putain, j'ai pas mis ma tenue de ninja. Et en plus, je suis bloqué par un buisson. Ça commence très bien. Ah, merde. Ah, c'est bon. Vous allez bien? Bon, écoute, tranquille, hein. Alors, est-ce que ça passe? Ouh, ça va passer. Oh, ça va passer tranquille. Hop, allez. On prend les gros chênes. On prend. Y a pas... Elle est où l'amulette? Ah bah voilà. Ah bah voilà. C'était facile. C'était ultra facile. Même pas besoin de la tenue de ninja. On fonce voir l'autre Gus, on lui remet tout. Par contre, j'ai pas capté l'amulette. L'amulette, hein, c'était pas une amulette, c'était des clés. Ou alors j'ai peut-être mal vu, mal regardé. Voici la bourse du fermier que vous m'aviez demandé. Excellent, merci. Il va en faire un malaise quand il remarquera qu'il ne l'a plus. Il ne fermera pas l'œil de la nuit tant qu'il n'en aura pas une autre. Il est persuadé que sans elle, il se fera manger tout cru par les puces et les poux. Vraiment con ce paysan. Je suis toujours à la recherche de travail. Vous avez autre chose? Lorsque je travaillais pour le fermier, je me suis entiché de sa bonne. Sauf qu'elle s'est trouvé un homme, un drapier. Il lui offre des châles et des belles chemises. Je ne peux pas rivaliser. Allez lui voler le châle qu'elle porte. Qu'est-ce que vous allez faire de son châle? Je vais le refiler à quelqu'un d'autre et j'irai ensuite raconter au marchand que les cadeaux qu'il offre à sa bien-aimée n'ont aucune valeur à ses yeux. Il est du genre jaloux. Alors je l'imagine déjà devenir fou furieux. Mais t'es un enculé en fait! Peu m'importe. Qu'est-ce que j'y gagne? Ne vous en faites pas. Je vous paierai en gros chêne. À la prochaine. Mais t'es un enculé, en fait, toi. T'es un putain de rageux. Alors, voilà, on est arrivé. C'est dans cette baraque-là. Bonjour, c'est ouvert. Ah, je n'ai pas le droit d'être ici. Ah, la dame est ici, elle, par contre. Et ben voilà, je me suis fait repérer, hein. Voilà qui commence très bien. Oui, bonjour. Ça va être compliqué de la voler si elle reste plantée devant la porte, celle-là.
Est-ce que je peux le est-ce que je peux le tenter ça par là? Ah bah elle est là. Bonjour. Bon. Il s'est passé quelque chose de non. Grave. Bon, on va aller faire un tour en attendant qu'elle se barre, hein. Bon, alors j'ai brain la dame. Voilà, je l'ai faite sortir de sa baraque, j'ai couru autour des fourneaux et je suis allé me planquer dans sa baraque en espérant qu'elle y retourne. Je pense que ça ne saurait tarder. En tout cas, si elle y retourne pas, je suis bien niqué, hein, parce que là, je ne sers absolument à rien. Si elle est là. Mais c'est une blague! Mais comment elle fait pour savoir que je suis là? Putain, mais c'est... Oh là là, hé hey. Est-ce que je peux la tabasser dans le dos? Parce que là, c'est en train de me gonfler, en fait. Bon, ben, non. Allez, c'est parti. Deuxième tentative. La madame, elle est toujours chez elle. Oh, putain. Est-ce qu'elle va me voir? Cette fois-ci, j'ai équipé la tenue de ninja. Il semblerait qu'elle ne me... voit pas. Oh, c'est bon, ça! Oh, c'est très très bon, ça! Te lève pas, te lève pas. Bon, allez, ça va être bon. Voilà, c'est réglé. Je commence à avoir un bon niveau en pickpocketage. Hop, le châle. La clé, on s'en cogne. Hop là, bonjour. Voilà, c'est réussi. Bon, ben voilà, c'est réglé. J'ai même gagné un niveau en vol à la tire. Bon, ben voilà, comme quoi, avec l'armure qu'il faut, avec l'armure de malandrin, ça passe. Oh là, du brave! Oh mon Dieu, ce charisme! Je vous ai rapporté le châle de la fille. Merci. Je vais aller le cacher sous le lit du fermier et j'irai le dire au drapier. Il va le défigurer s'il ne le tue pas carrément. Ah, super! Mais de qui vous voulez vous venger? Du fermier ou de sa bonne? Les deux. Ce sont des dégénérés diaboliques. Et le drapier ne vaut pas mieux. D'accord, ok. Alors toi, t'en veux à tout le monde, toi. Est-ce qu'il vous faut quelque chose? Un dernier truc. Contre, tu payes bien. Je me suis vengé du fermier et de cette gueuse. Maintenant, c'est au tour du drapier pour m'avoir volé ma belle. Chapardez-lui la poudrière qu'il a toujours sur lui. Il y tient comme la prunelle de ses yeux et se vante sans cesse de la finesse de sa confection. Du coup, tout le monde sait qu'elle est à lui. Une fois que je l'aurai, j'irai cramer cette fichue ferme et je laisserai sa poudrière en évidence. Ils vont tous l'accuser. T'es un peu vénère quand même, non? En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Mais là, vous allez trop loin. C'est quoi votre problème? C'est juste un vol, non? Bref, comme vous voulez. Non, mais je vais le faire, hein. T'inquiète pas, hein. Que vous m'aidiez à prendre ma revanche sur le drapier qui a volé ma belle. Chapardez-lui la poudrière qu'il a toujours... Ok, d'accord. Bon, bah, je m'en charge, hein. La vengeance est à votre service. Je m'en occupe. Bonne chance, alors. Ah, moi, je suis habillé comme un paysan et on voit mon beau cheval derrière. Donc, alors, ça a l'air d'être par là. On y va. Alors, ça a l'air d'être par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bonjour la madame. Je crois que la madame, elle m'a vu. Ah oui, il faut que je le vole, lui. Ah ouais, quand même. Ah ouais, là, ça... Oh là là, il y a un garde en plus. Ça risque d'être pas mal, quoi. À mon avis, va peut-être falloir que j'attende la nuit, là, non? Oh mais non, sérieux? Je vais arriver à le faire? Mais non! Mais non, mais n'importe quoi! Mais j'ai réussi à voler le mec! Bonjour. Bonjour? Non, je n'ai rien fait. Oh là là, bah alors là! C'est totalement absurde. Mais bon, j'en ai rien à foutre. Ça m'évite de devoir passer la nuit dans le bordel, à devoir attendre qu'il aille se coucher. Allons du brave. Je suis là. J'ai la poudrière du drapier. Rira bien qui rira le dernier. Tenez, voici les bottes que je vous avais promises. Profitez-en bien. Et maintenant, place à la vengeance. Bonne chance alors. Ok, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc caché avec ce gars, genre on revient dans 24 heures et il y aura tout court à cramer comme avec la catin de l'auberge de je sais plus trop où. Bon, bref, parlons peu, parlons bien.
Qu'est-ce qu'il reste comme petite quête à Sasso? Il me reste, je crois, une seule quête. C'est celle-là. Il me reste la quête des abats. Mais bon, le problème, c'est que la quête des abats, ça risque d'être un poil compliqué parce que j'ai que 10 en chasse. Le prochain niveau de chasse, je le gagne. Enfin, le prochain point, je le gagne au niveau 13. Et il me faut... Il me faut cette compétence-là pour avoir des abats. Parce que sinon, je n'en gagne pas. Donc, soit je pars chasser comme débile pendant tant de temps. Soit, eh ben, je continue. Et puis, le jour où je ferai de la chasse, eh ben, on verra bien. Moi, je vais aller me faire cette petite quête. Il me semble bien que je connais cette quête. Il me semble que c'est la quête pour forger la légendaire épée de la reine de Saba. Mais nous allons nous garder cette prochaine quête pour le prochain épisode. Ciao tout le monde !